lui. No more! No more pain, no more work! All must die! Frapper la rotée. Mais si je tue les. Si je tue les gnomes, est-ce que du coup les rotées seront en mode. Bon, ben on vous ouvre le passage ou pas? Qu'est-ce qui t'a mis dans un état pareil? All death. Fire. I can smell it. It's too much. Too much. Anger. I can't hold it in. Par contre, peut-être que si je les attaque, ils vont m'aider, les rotés. Respire, reprends tes esprits. Si tu t'emballes, tes maîtres abattront tout le troupeau. C'est pas faux. Tu es né pour servir, c'est ta raison d'être. Dégage les gravats, comme on te l'a ordonné. Laisse éclater ta colère et venge-toi des souffrances que tu as subies. Mais pas aveuglément. Frappe uniquement tes maîtres. Ça me paie. On va peut-être commencer à embrasser le côté obscur de notre personnage. Oh. Ha, 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 ha. Yes. Yes, yes, yes. Now they feed. Par là-bas. Attention au piège, là il y a un coffre. Je peux l'atteindre par là-bas, ouais. Ok. Nickel. Ça m'intéresse pas. Carte d'Avrelune. Cette carte d'état-major détaille un plan d'attaque contre le village de Avrelune, encourageant les soldats à massacrer tout le monde dans un silence implacable. Ok. Ambiance, ambiance technique. Oh, mais je peux aller par là, du coup. Came morning, then night. Two sisters clashed, one dark and one light. Ah bah c'est char et ah mais là, oh, on y est la forge. Ah, attendez, 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 pas de panique. Tempête de glace. C'est que les parchemins aussi, blague à part. Oh, 2 kilos, oh, ça va, 2 kilos pour 48 parchemins. C'est pas ça qui m'encombre les poches. Ah ben voilà, les leviers, on y est. Oh, oh, y a un moule là. Oh, masque de tribun de la nuit. Intimidation plus 1. Moule et cimetière. Troisième moule, et y en a un autre là. Armure lourde. Est-ce qu'on a été à cette zone? Ben non, non, y en a un. Non. Ok. Ben ça se trouve, on va pouvoir se crafter un set en fait. Intimidation, bah je pense que... Ah, 3 points de vie, bref. Ou à Will, ou à moi en fait. En vrai, je mérite un peu d'intimidation. Vous allez voir le flow? Oh, le flow est pas. Le flow est pas ouf. Donc, ça, ça fait quoi? Ok. Ah bah là, on peut s... Attendez. C'est-à-dire qu'on aurait pu sauter dessus directement? Ah non, là, enfin si, mais je pense qu'on perd des points de vie. Ça, du coup, ça l'emmène. Ah, mais. Ah non, bah si. C'était où l'endroit où j'étais en mode. C'était au bout du. C'était là. Ah non, mais c'était là en fait. Donc, ok. Donc, ça, je le monte. Et du coup, on va là-bas. Du coup, faut qu'on revienne sur nos pas. Ok, ok, ok. Parce que là, ah, on peut l'atteindre. Hein. Mais est-ce qu'on y, on peut y aller de façon normale? Ouais, je pense. Je pense que ça relie là-bas. Ok. Parce qu'en vrai, je vois qu'il y a de l'armure, des armes. Peut-être qu'on peut se faire un comment? Bah un équipement entier, quoi. Ça peut être pas mal. Bon, armure lourde. Bof, mais. Bon, après, je pourrais peut-être me reconvertir. C'est vrai qu'au final, moi, je pourrais me mettre en. En armure lourde, hein. Faut que j'ai le. Bah après, il faudrait que je prenne pour que ça soit une affinité, parce que sinon, bah, ça va être compliqué pour lancer des sorts. Mais une petite image, un warlock, quoi, au final. Ça fait peur, là. Peut-être pas sauter sur les planches, là. Pendant ce temps, ils sont toujours en train de boire de la bière et de s'insulter. C'est impeccable. Une sacrée équipe, là, quand même. Sacré loulou. Sac à dos. J'ai pas looté là. Oh, j'ai l'impression de laisser plein de trucs. Donc là. Impeccable. Allez, tout le monde d'abord. Ah.
Rassurant ça, mais tranquille. C'était celui de... Non, c'était celui de gauche. Pour avancer. Ok. Ok. Ah. Est-ce que je peux l'atteindre ici? Oui. Heureusement qu'on peut faire ça quand même, hein. Tirer sur les... Ah mais après on est trop bas. Oh non, on est pixels. On est pixels. Ah ouais, mais la zone est gigantesque. Ah. Ah ouais, ouais. Mais ouais, ouais, ouais. C'est... J'aurais peut-être dû... Ouais, je pense que je vais le faire. Oh, il y a des corps là, il y a des corps. On va ressusciter. Mais surtout des gens en face en fait. Armure animée là. Ah mais quand... ah mais en fait c'est fin de parcours. Ah si là. Ah oui là. Je l'atteins là? Non, je l'atteins pas. Ok. Mes amis, il y a du monde là. Ah par contre on peut pas remonter. Ah il y a un point de passage. Ok. Est-ce que... Ouais non, c'est trop. Bien, je mettrai des caisses. Bien, je mettrai des caisses. Alors, attendez mes amis. Voilà. Il y en a une là. Ok, pour l'instant on peut se... On peut se planquer. Je vais ressusciter... Archer. Quoi? La cible ne doit pas avoir été réanimée. Hein? Ah, ils ont déjà été... Ah, mais c'est des invocations en fait. Comment ça? Ah ouais. Ah vraiment? Ah, je suis foutu en fait là. Ah, c'est terrible. Bon, on a débloqué un TP. Ça, c'est cool. Il y a le moule là-bas. On va aller le prendre tout de suite. Plaque de surplomb de la forge. Bon, on s'approche. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Ça marche. Bon, on va espérer, on va espérer. Je vais directement. Ouais, levez-vous, au pire, les amis. Hop. Notre gribouillé. Il me faut trouver d'autres sources de mitral. Les filons proches sont presque toutes vides et les quantités dont frère Silou a eu besoin pour mener son dernier projet à bien sont considérables. Certains acolytes ont commencé à l'appeler Grim, au grand dam de frère Silou, qui préférait lui donner un nom plus ronflant. Très bien. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Épée longue, bouclier, cimeterre, armure lourde. Ok. Et là... Ah ben là c'est là où on a... Où on a tué Néré, quoi. Ok. Ah mais on pouvait pas l'atteindre par ici? Ah ouais, on aurait pu shortcut absolument tout en fait. Enfin après, ouais, que Karlak, parce qu'elle a, de la force. Très bien. Bon bah va falloir combattre. Hein. Quoique on peut monter là avant. Il y a deux petites armures animées là. On va voir ce que ça donne. Ok. Journal de construction de la forge. Peut-être important ça. Ce livre délabré compile les principes scientifiques et arcaniques de la construction de la grande forge. Test du marteau. La forge fonctionne mais seulement à un tiers de son plein potentiel. Compte tenu de sa puissance actuelle, le marteau permet d'insérer divers alliages dans les moules, mais l'adamantium lui résiste encore. Je vais augmenter la valeur de l'hypotorque jusqu'à 6,94 tout en doublant la chaleur causée par le magma. Ok. Test du marteau. Le test a échoué. La lave était si chaude que l'adamantium a éclaté en mille morceaux au premier coup de marteau. Les propriétés de l'adamantium surchauffé sont vraiment surprenantes, mais ce qui m'intéresse c'est d'arriver à le mouler, pas de le détruire. Je vais maintenir le même niveau d'hypotorque tout en réduisant d'un cinquième la chaleur du magma. Ah ouais, on la voit là, la forge. Ouais, c'est stylé. C'est stylé, mais... Bon, de toute façon, on l'a vu, hein. Ça, là, c'est vraiment la zone de combat, quoi. Oh là là. Mais déjà, ou alors, ça se trouve, c'est pour nous faire peur, il n'y a pas vraiment de gardien. Ça serait cool. Mais... Ah, mais il y a un moule, là. Mais bon, connaissant le jeu, moule à masse. Ok. Bon, en tout cas, on en récupère. Plaque de la forge. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Mais je peux y descendre en fait. Bon, alors attendez, on va quand même s'occuper des. C'est pourquoi ils mettraient des petits bonhommes qui servent à rien là-bas.
Ils sont en plus, et ils sont bien planqués par contre, hein. Blague à part. Est-ce que je peux? Non. Armure animée. 42, 18. Waouh! Oh la tête que ça a par contre. On dirait des pompiers. C'est trop bizarre. Attaque d'opportunité, attaque supplémentaire. Bah oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah! Alarme ou à main nue? Oui, alarme. Ouais. Maintenue ensemble par la trame, cette armure perd tout son pouvoir dans les champs d'anti-magie. Oh! Oh! Oh, j'ai pas de. Oh! Oh, il aurait fallu que je ramasse du... Ouais, mais bon, après, moi aussi, ça m'aurait enlevé toute ma magie. Ah, mais le coffre aurait pu être bien pour ça. Le coffre qui, certes, qui réduit pas le poids des objets, mais ça le transforme. Donc j'aurais pu prendre les trucs anti-magie, les mettre dedans. Et là, comme ça, les mecs, ils auraient été comme s'ils étaient sans armure, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On va peut-être se séparer. Par contre, en vrai, sur le principe, une armure avec du givre, ça fait pas mon ménage. Est-ce que je peux... Ah non, on peut vraiment pas. Oh, mais il y a un truc là, j'avais pas vu. Moule à armure d'écaille. Oh, intermédiaire. Ce sera le petit cadeau pour... comment? Pour mon broker. Vas-y, hein. Non. Ok, 4. Bon, c'était pas foufou, hein. On va essayer le feu. Pourtant, c'est poison et psychique. On va essayer le feu. Ah, le feu marche mieux, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il a une arbalète? Ouais, ça va tirer à distance, hein. Oh, je l'avais pas vu, lui. Ok, il y a deux ranges et... Bah, je m'en vais, hein. Hop. Starion, je vais peut-être le... On va peut-être faire ça, là. Viens là, Carlac. Cache-toi. Potion. Elle en a pas, elle? C'est quoi le filtre que ça m'a mis là? Qui a des potions? Est-ce que par contre je peux lancer? Je pense pas. J'aurai une potion d'un autre inventaire. Non. Moi je peux le donner, quoi. Voilà. Ça. Alors on connaît. On va sauvegarder. D'ailleurs je suis un peu loin là quand même, je pense. Voilà. Pourquoi je peux pas? C'est dommage qu'on puisse pas cliquer droit sur le truc rapide. Oh, tout le monde a marché. Impeccable. You can't see me. Alors, Carlac. Le problème c'est que Carlac elle est plus... Ouais, elle est plus... Comment dire? Corps à corps. Ah mais là en vrai je pourrais me monter là. Parce que je pense pas que je vais avoir la... Ah mais je peux pas passer sur le... Ah, ils abusent en vrai. Je peux sauter mais ça va me faire perdre... Après, ah mais après il faudrait que je me cache. Parce que si je saute, après je... Ah, mais je suis pas en combat, donc je m'en fiche. Je peux sauter. Voilà. Me mettre là. Voilà. Et là, faire ça. Quoi? Pourquoi il veut monter? Hein? T'as pas l'angle? Ah, avec la toile d'araignée? Non. Ah ouais, parce qu'il... Ah bah si, là c'est bon. Ah pourquoi avec ça je peux? Cible incorrecte. Attendez. Non mais là tu... Pourquoi? Avec un tir classique je peux. Bon là il se met dans la zone mais très bien. Au pire je vais le faire sur un autre, hein. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Il a pris les bons dégâts. Ouais, il a pris midlife là-dessus. On va leur mettre une petite. Ok, raté, c'est pas grave. Et on va tranquillement aller se cacher. Hop. Donc ça c'est bon. Toi, faut attendre avant de jouer. Lui, avec un peu de bol. Ah par contre il y a des barrières mais... On va essayer de l'atteindre avec, avec ça. Parfait. Voilà, il est mort. No time to waste. Ta 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 ta. What's cooking? Ok. Déjà il y en a un en moins. Il nous embêtera pas. Est-ce qu'elle peut mettre un petit coup d'arbalète? Oh oui. Ok, il s'est fait des buffs. On va les remettre. Oula, excusez-moi pour ça.
Ah, dommage. Hop. Allez, on s'écarte le plus possible. Comme ça, on va les forcer. On va les forcer à jouer. Ok. Comment ça, 3? Hein? Il est pas mort? Pourquoi? Armure. Ah! Oh, il y en a un qui... Ah ouais! Ah, il est encore plus caché que moi, quoi. Ok, bien joué à lui. Quand il a pas bougé, lui, pourquoi je peux pas le toucher? Allez, meurs. Un bon 16 là, comme tout à l'heure. Parfait, hein? 12, 13, mais il avait pas 14 points de vie? Ok, bon bah, on prend. On va pas se plaindre. C'est bizarre, mais. Donc là, je vais me faire voir. Ah ouais, lui, il est en. Oh, il est en. Il est vraiment sneaky. Est-ce que je peux l'atteindre, lui? Non, je pense pas. Je pense pas. L'anglais. L'anglais. Ah, l'anglais pas si interdit que ça. Non. Ah ouais, par contre, je vais être que. Je vais être. Comment dire? Au pire, ça se tente. C'est pas passé. C'est pas passé. Est-ce que je retente un cachet? Non, en vrai, ça passera pas. Voilà. On va juste le gratter comme ça. Ok. T'aimes le feu, toi? Oh, ça touche alors que. Ok. Tac tac tac. Oh, oh. Ah dommage. Après je peux. Pourquoi? Pourquoi c'est déjà comme si j'avais joué? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Je me mettrais bien. Ouais, c'est déjà en attaque supplémentaire. C'est moi, ça m'y vert comme si je pouvais y aller. Ah, mais si c'est en attaque supplémentaire. On est d'accord que j'ai pas. Ah, bah oui, ça coûte pas d'action au final. On est d'accord. Est-ce que je peux l'atteindre? Ah, bah oui. Eh, bah oui, oui. Ah, mais oui, c'est huge. Oui, c'est gratos. Voilà. Ta tête là. Allez Will. Oh Will, il peut avoir l'angle. Il peut avoir l'angle interdit là. Il est où? Hein? J'ai arrêté ou? Je sais pas comment j'ai fait. Mais... L'angle est interdit mais. Mais il passe. Oh non! Non! Oh, on le voit là. Par rapport à ses yeux. Oh le jeu là il me. Voilà. Non mais oh. Donc ça c'est parfait. Ah j'ai cru il allait rester caché quoi. Par contre je pense qu'ils vont faire très très mal. Mais c'est pas à lui de jouer, tant mieux. Ah mais je suis bête, j'aurais dû. Ah oh, j'ai mal joué. J'aurais dû le. Comment dire? No holding back. Me rapprocher. Non en plus c'est Carlac. Pour lui mal. Pour le malucer sur les. Sur les trucs. Ah non mais c'est les siens. Ah je m'y ferai jamais. Ouais c'est ça en fait, menacer c'est sur les jets d'attaque. Ouais donc voilà. Impeccable. Parfait. Ah bah il restait un tour. C'est pas grave, on va le finir comme ça. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Des squelettes. Attention. A pas loupé de clé. Oh, la, oh le moule à écaille. Hop. J'aime bien comme il se retourne vers Carlac pour lui donner. J'ai combien de moules là? 6. Par contre, Carlac, elle peut vraiment tellement porter. Ouais, la force, c'est trop bien en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Des petites bougies. Ouais, ouais, ouais. Il y a un passage là. Charge de fou. Moi, ouais, j'ai pas envie de descendre. Hein. Prête. Oui, il y avait. Prêt à être éclaté. Ok. Prêt à éclater. Casque de tribun de la nuit. Tant qu'il est obscurci par les ombres, le porteur gagne plus 1 à tous les jets de sauvegarde quand il se fait attaquer. Ok. Ah, c'est de l'armure intermédiaire. Ah, ah ouais. Très bien. Mais du coup, c'est pas. Ah, mais il y a un passage là. Mais attendez, mais. On peut y aller. C'est quoi ça? Ah, c'est un filon de mitral. Oh! Il me le faut ça.
Par contre, le feu, ça brûle, là. Mais attendez, attendez. Eh, je suis que là. Mais oui, en fait, la zone, elle va si loin. Ouais, on va essayer de retrouver l'amulette. Les copains, venez. Par contre, le filon de mitral, je peux le casser et ramasser des pièces. Ah. Alors, c'est un coffre ou... m'appelle. Tout le monde a raté là? Ah ouais. Eh ben en survie, on est devenu nul, hein. On est vraiment devenu nul. C'est terrible. On va espérer que ça soit là. Ok, bon, c'est permissif, hein. C'est permissif. Ok. Alors, j'ai pas spécialement envie de faire de bêtises. Parce que j'ai pas de pioche, en fait. Musique en dégâts 3. Ok. Ok. J'ai des mitrales. Après, est-ce que j'en aurais pas eu plus en le faisant bien? Minerai. Et prêt à être jeté dans la forge. Ok. Donc ça a l'air important quand même. Est-ce qu'on peut passer là? Oh là là, mais j'ai l'impression que... Wow, mais là on y va là? Non, là c'est du décor là. Dites-moi que c'est du décor. Très bien. Ah! Voilà, c'est pour ça qu'on sauvegarde. Eh, c'est pas là. Non, je peux pas. Oh, non, j'ai sauté direct en fait. Ah, j'aurais pas pensé que le jeu nous fasse passer. Enfin, je pense pas qu'on puisse se jeter dans la lave en fait. Peut-être que si. En vrai, peut-être que si. Ce qui serait logique si on a envie d'aller dedans. Mais je pense pas. Ah, bah si, d'accord, on peut. Y'a pas de. Si, vous voyez. Ah non. Ah, oh, je fais un petit bain de pied, quoi. Ok. Je suis en détente dans le petit bain de pied. Oh, tu sais quoi, Carla, au pire. Hein. Casse-le directement. Ça ira plus vite. Ok. Alors. Très bien. Partons, du coup. Je sais pas comment on va l'utiliser. Enfin, dans la forge, mais... Au moins on a le morceau. Et je pense que bah voilà, il n'y a plus qu'à descendre dans la forge. Hein. Malheureusement, je pense que le comment. C'est maintenant quoi. Je peux plus tourner autour du pot là, j'ai plus d'excuses. Et puis rien d'autre à faire. Est-ce que en vrai en termes de magie, ça va. Par contre, eux ils sont morts eux. Donc je peux les squelette. Quoi? Ils ont tous été réanimés? Ah, oh, mais je suis foutu du coup. Ah ouais, donc c'était un combat de mec mort en fait. Très bien, lui aussi là je parie. Ah ouais, du coup j'ai personne. Après j'en ai un dans le coffre à la base. J'en ai un dans le coffre à la base. Si en termes de magie on est bien, donc je vais pas reposer. Est-ce que je vais chercher un... Ouah, en vrai. Oh, ça va. À mon avis, ça va pas changer grand chose. Ça va pas changer grand chose. On est buffé. Ouais, bon, de toute façon, on a pas corps en vrai. On court un peu plus vite, quoi, c'est tout, mais. C'est pas des buffs de zinzin, quoi. Par contre, elle a. Eh ben, attendez. C'est vrai que. Ah! C'est la forge, je pense. Ça commence à me manquer, en broker, là. Parce qu'au final... Qu'est-ce que c'est que cette petite crotte là? Une embuscade. Des méphites magmatiques. Oh non. On va peut-être avoir un repos forcé du coup. Hein. Oh les dégâts. Oh quoi? Ah non, alors par contre tu fais pas lâcher mes armes. Hein. Ah ouais. Mais surtout qu'une embuscade, comment on peut... On peut pas en fait. Enfin la provoquer avant. Ah ouais, donc là je suis à main nue. Ah ouais, c'est dur. Ah mais moi j'ai résisté. Let's go.
Ah, ah ouais, mais du coup... Ok, ouais, je peux quand même l'équiper. C'est pas une action par... Alors attends. Et là du coup... Ah ouais, mais c'est terrible en fait. Oh mais du coup ça a mis tout en l'air mon... Ah ouais... la panique. La panique, la panique. Ah d'accord, on peut pas... Ben impeccable. Bah tu sais quoi? Dans ta tête là. Dommage. Ah ouais mais ça va être dur là. Forcément c'est mes squishy... Ok. C'est mes squishy qui sont en première ligne quoi. Forcément, forcément. Alors, ça on n'oublie pas, c'est... Ok. 3, 2... Ah, mais ça fait... ah oui mais ça fait combien de dégâts? Ah non mais je l'imprègne. Ah oui donc s'il meurt. Ah ok. Ouais mais c'est... Oui mais combien de temps ça dure? Si ses points de vie tombent à zéro. Ça jamais en fait. Ah ouais. Peut-être finir lui là. Ce vilain. Mais ça c'est vraiment zéro dégâts. Hein. Bah non le feu. Bah du coup ils sont insensibles au feu non? Ouais. Vulnérable au froid. Ça oui bah c'est logique. Bah du coup je vais peut-être le mettre sur lui là. Un bon critique. Ah oui 26. Ah ouais. Ah oui ils sont vraiment vulnérables quoi. Ah je suis mort. Ah ouais on a OE en plus. Ah ouais c'est terrible. Ah va falloir arriver vite les gars. Là va falloir... toi tu t'envoles. Et toi on va essayer de te pousser. Pardon? C'est moi, il y en a d'autres qu'on... Mais comment ça? Ouais faut venir là. Faut venir fort. Hein. Pourquoi je peux... Ah parce que... Ok. Heureusement il a un saut magique. Ah ouais mais du coup... Ah mais c'est elle qui a pris... Ah mais c'est elle qui a pris en fait. Ah ouais mais ça fout tout en l'air, hein. Tout mon... Attendez, j'ai rien perdu d'autre là. Il y a la dague encore toujours. Hein. Ah mais ça c'est un coup à perdre du stuff en fait. Mais là du coup il est où mon... Ah est-ce que ça a pas actualisé? Ah non mais c'est que je l'ai pas... Ouais. Ça s'équipe pas tout seul. Voilà, ok, je récupère tous mes trucs. Bon j'ai pas d'action mais c'est pas grave. Est-ce que je peux sauter directement là? Non quand même pas, ouais quand même pas. C'est, on a de la force, mais faut doser quand même. Alors, on va au moins se rapprocher. Ah ouais, il y en a d'autres qui sont apparus, quoi. Toujours plus. Ah, puis là, je suis assis dans les flammes de l'enfer, hein, littéralement. Puis les pousser, c'est bien, mais en fait... ah si, ça l'a tué quand même. Ah si, on a pu les pousser... Ok. On a le high ground. Parfait. En vrai oui. Parfait. Bon évidemment. Je peux faire une action bonus. Je peux m'ingurgiter une bonne grosse potion. Je vais le faire et on va espérer que ça va bien me régène. C'est pas fou. C'est pas fou mais c'est là. Là faut pas que je bouge. Ah ils sont beaucoup hein. Oh l'embuscade elle est terrible hein. Ouais. Au moins je te mets des dégâts hein. Ah mais ça l'a contré du coup. Ok ça veut venir me chercher. De toute façon je pense que je vais me reposer hein. Ouais mets tout, mets tout. Ah mais non. Ah oui. De toute façon c'est pas grave, le boss de la forge il sera aussi insensible au feu. Mais oui, bah oui non, c'est bête. Alors. Ah ouais j'ai le désavantage, pourquoi? Chemin interrompu. Bah au pire toi. Et toi. Oh il l'a sauvé, du coup il est pas tombé dans les flammes. Dur. C'est quoi? Ta vieille tête, quoi? Attends. Voilà, c'est juste, là c'est juste pour l'ego. C'est vraiment juste pour l'ego. On va peut-être aller finir les... On va aller finir quand même. Ça, ils feront moins d'attaques. C'est pas grave. Parfait.
Parce qu'après, c'est ouais, c'est celui-là au fond qui joue. Ouais, je l'aurais. Non, je l'aurais pas. Oh. Ah bah oui. Ah oui, oui, d'accord. On a level up. Est-ce qu'on peut le faire en combat? Non. Hein. Par contre, moi j'ai de la force. Quoi? Pourquoi? Il y a un mur invisible? Ouais, c'est bizarre des fois. Hein. Des fois, c'est bizarre quand même. Ouais, vol si tu veux. Ouais, Starion, il est. Ah, Starion, il sait qu'il doit résister. Hein. Il fait le boulot. Il fait le boulot et on apprécie. Tiens, fais-lui le boulot à lui là. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est dans la tête. Voilà, c'est bien ce que tu fais. On relève. C'est bien ce que tu fais, Astral. On va laisser. Il en reste 3. Ouais, on va laisser comme ça. Parce qu'au pire, là il va faire un truc en zone, ça va tous les deux. Oh, Astarion! Ah, le repos il va bien être mérité. Hein. Toi, comme ça, si tu peux t'enfuir de. Oh oui! Non, il l'a sauvé? Ouais, il l'a sauvé. Il l'a sauvé, il l'a sauvé. Ça. Lui, je pourrais pas le fuir. En vrai, je. Ouais, ça vaut pas le coup. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'à taper ce qu'elle peut taper. Voilà. Bref, c'est pas grave. Ok. Oh, par contre, fais pas tomber mes armes, s'il te plaît. On va pas être copains. Astalon, il est 1 HP depuis tout à l'heure. Il est en légende, il dit rien. Oh là là. Oh. Oh, Carlac qui a esquivé de. Du coup, là, c'est pas du feu, là. Faut m'aider. Faut m'aider. Sortez des flammes. Sortez des flammes de l'enfer. Oh, mais Astalon. Ah oui, mais non. Ok, c'est bon, ça s'est éteint. Ok. Petite embuscade. On a survécu. Which is nice. Ça, c'est pour Carlac. Il y a l'épée courte ici. Pour Astarion. Voilà. Ok. Est-ce que je peux looter à distance, là? Non, ça sert à rien. Pas de piège, please. Ouais, bah ouais. Ok, alors, je vais penser à me rééquiper surtout. Ça. Ça. Ok, bon, ça s'est bien passé et on a un level up. Ce qui serait fort, c'est que quand on level up, on gagne de la vie, mais c'est pas le cas. Mais là, en fait, c'est la route, en fait, là. Ouais, là, on peut marcher, là. Ah bah, en vrai, ça fait plaisir, ça, le petit level up avant le boss. Pas de regret d'avoir... d'être tombé sur l'embuscade. Ah, tous ces parchemins aussi. Faut que je les utilise. Hein. Mais ça c'est un fléau dans les jeux. Hein. En tout cas pour moi. Tout ce qui est bah voilà, lors des parchemins ou les trucs de soins. Bon là je les utilise les trucs de soins parce que on se fait détruire, mais dans les jeux souvent c'est comme ça quoi. Et ça finit par avoir le plus de poids parce qu'on se dit ouais c'est une petite potion, ça pèse rien. Ouais mais sauf que t'en as 60 sur toi quoi. Donc au final, regardez-moi la tête de mon inventaire. C'était bien rangé et puis d'un coup non quoi. Et tout ça je vais envoyer. Je referai un tri tranquillement. Je me poserai à faire un tri. Mais là c'est catastrophique là. On voit tout au camp là. Voilà. Très bien. Bah y a un morceau là encore. Carlac, c'est pour toi. Apporte tout Carlac. Vraiment c'est les muscles. Les muscles et l'humour. Oh, il y a un registre, je l'ai pas vu ça. Les disciples de la dame. Registre recensant les fidèles recrutés par son auguste paladin, Ketherwick Thorm. Page après page, une interminable liste de noms noircis de papier. Certains ne sont que des surnoms, d'autres de longs titres de noblesse, mais tous sont rayés et accompagnés de la mention terminée. Ok. Bon. Il est temps de gagner en niveau. Ah bah si, ça va me donner les points de vie que je gagne là, non, quand même. On verra. Oh. Hein? Bah, pourquoi je l'ai... toujours préparé. La cible doit être un cadavre.
Très bien. Bon, c'est pas très grave. Aptitude de sous-classe. Quand vous utilisez l'animation des morts, vous pouvez réanimer un corps de plus. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Et les créatures créées à l'aide d'animation des morts ont un nombre de points de vie supplémentaires égal à votre niveau de magicien. Et votre bonus de maîtrise vient s'ajouter aux dégâts qu'elles infligent. Votre niveau de magicien. Donc là, je suis niveau 6. Donc elle va gagner 6 points de vie en plus. Ah ouais. Et votre bonus de maîtrise. Bonus de maîtrise dans quoi? Dans ce qui... C'est quoi le sort? Sort de nécromancie. Bah du coup dans intelligence. Ah ouais, donc ça ils peuvent commencer à taper fort là les... Alors oula, wow, y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'on voudrait en vrai? Des trucs en zone hein. En vrai des gros trucs en zone hein. Une créature en la touchant, cette malédiction lui invite pendant 10 tours. C'est vrai que c'est pas mal. En vrai ça je me dis ouais c'est pas fou, mais genre sur un boss pendant 10 tours il tape moins fort parce que les boss bah tapent vraiment fort. C'est vrai que c'est quand même cool quoi. Et c'est de la concentration. Donc ce qui fera que... Oh, c'est quoi? Il y a un truc qu'il faut que je sois concentré pour l'utiliser. C'est les... Je crois que c'est les sorts ici, là, je crois. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Il y a un truc où... Une fois par jour, si vous regagnez un nombre de points de vie... Non, c'est pas ça. Il y a un truc où, si je maîtrise, c'est plus efficace. Ben je sais pas. Bref, ça c'est quoi? Clignotement. À la fin de chaque tour, jetez un des 20 sur un 11 ou plus. Vous passez dans le plan éthéré où vous ne pouvez plus de vie ni blessé. Ok. Contre-sort, ça on a vu que c'était fort. Hein. On a vu que c'était fort. Les cibles lâchent tout ce qu'ils tiennent en main et sont terrorisés, ce qui leur inflige un désavantage. Mort simulée. On fait révolte. Bon, les dégâts c'est où là? C'est où les gros dégâts là? Une série de glyphes arcaniques déclenchant l'effet magique sélectionné dès qu'un ennemi marche dessus. Nuage nauséabond. Génère un nuage de gaz, ouais. Lenteur, ouais. Tempête de neige. Invoque une tempête qui interrompt la concentration des lanceurs de sorts, éteint les feux et crée une surface de glace. Il n'y a que des trucs utilitaires en fait ou... Éclair. Voilà. Parce que je pense que c'est pas mal de potentiellement avoir un peu de tout. Là j'ai du feu, j'ai de la glace grâce au bâton. Je pense que ça peut être pas mal comme ça, on est plus efficace quoi. Il touche les créatures se trouvant sur sa trajectoire. Motif hypnotique. Hâte. Cible vous-même, on est l'état accéléré. Baiser du vampire. Ah, les trucs nécrotiques aussi, c'est pas mal. Hein. Verrou magique. Ah, ça, c'est du niveau 2. Je pense qu'il y a un bon petit truc électrique. Hein. Parce que j'en ai pas de sort. Enfin, si, j'ai la poigne, mais c'est au corps à corps. Mais sinon, c'est tout. Bon amélioré. Ouais. Déguisement, ça peut être pas mal. Cécité aussi, on a vu que cécité c'était. C'est où cécité? Il est où? Là, on a vu que c'était fort, hein. 10 tours. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ah, mais c'est pas. Ah, pourquoi moi je pouvais pas attaquer à plus de 3 mètres? C'est pas précisé là. Ah, c'était un cécité évolué? Peut-être. En vrai, je sais pas quoi prendre. C'est vrai que ça c'est l'arc électrique 1-12. Et là, c'est éclair 8-48. Il y est même pas en niveau 2 l'éclair. Ça veut dire que je l'ai peut-être déjà pris, non? Si je le vois pas. Je peux pas voir... Ah bah si, là, dans les sorts préparés. Bah ça, oui, c'est ce que je viens de prendre, quoi. Par contre, ce que je piche pas, c'est pourquoi il me débloque ça alors que je l'avais déjà. Je comprends pas. C'est un peu le truc que j'ai du mal à comprendre. Il y a ça aussi. 6-36. On a la méga boule de feu. Littéralement, on va pas nous servir parce qu'ils sont tous insensibles au feu, mais c'est un détail. En vrai, je sais pas quoi prendre. Je vous avoue que... Je pense qu'il faut vraiment que je parte dégâts de fou. C'est plus en broker qui sera, je pense, utilitaire. Même si je me doute que sa classe aussi a des trucs de dégâts. Qui sont peut-être d'ailleurs complètement cassés. Je sais pas. Malédiction? Contre-sort? Ouais. Sans Rex, je sais pas. Je suis perdu. Sphère enflammée. Invisibilité, ça peut être pas mal aussi. Main enflammée si les mecs... Bref. Ouais, allez, contre-sort.
C'est vrai que je vois pas pourquoi. Pourquoi ils me disent que j'ai le truc alors que j'ai déjà débloqué ça, mais très bien. Compétences. Ah là, y'a rien. C'est juste des points de vie. Ah ouais, c'est juste des points de vie. Tromperie, persuasion. Ouais, c'est très bien ça. Ok. Ah ouais, Roublard, c'est pas prise de tête. Hein. C'est vraiment. Occultiste. Qu'est-ce qu'il a débloqué là? Vous en appelez à votre protecteur pour changer votre dessin, ce qui vous permet d'ajouter un des 10 à un test de caractéristiques. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Voler. C'est vrai que voler, ça pourrait être pas mal. Pour potentiellement me placer justement et faire tomber des mecs. C'est de la concentration, ouais. Les yeux du vampire. Je sais pas. En vrai, pourquoi pas aussi contre-sort hein. Pourquoi pas. Et Carlac. Oh, Carlac, là, donnez-moi de la violence, là. Ok. Ah bah, pas grand-chose, hein. Rage aveugle. Votre rage est telle qu'elle repousse toute influence extérieure. Tant que vous êtes dans cet état de frénésie, vous ne pouvez pas être charmé ni effrayé, et apaisement des émotions ne met plus un terme à votre rage. Ok. Ok. Alors, par contre... Ouais, voilà, ça m'a donné les HP bonus. Pourquoi... Ah mais si, ok, c'est ce sort là en version oui, en gros oui, que maintenant je peux faire deux. Ouais, mais c'est un passif. Pourquoi ils ont mis en sorte que ouais, du coup maintenant je peux faire deux corps. C'est huge. En vrai, c'est huge de fou. C'est-à-dire que bah attendez. Que là Bah non, c'est vrai que ça réduit. Ouais, non, ça change rien. Très bien. Par contre, c'était quoi le truc? Est-ce qu'il y avait un truc? Il fallait que je concentre un sort. Et je crois que c'était... Si, je crois que c'était un truc psionique. Pas de vie. Une fois entre deux longs, un jet d'attaque, coup critique. Et qu'elle soit bénéficiaire à un. Vous devez vous concentrer sur un autre sort. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir lancer ceci. Si la cible était en train de se concentrer, vous récupérez autant de points de vie qu'elle subit de dégâts. En plus, c'est fort, c'est par tour, quoi. C'est vraiment par tour, quoi. C'est huge. Après, c'est 9 mètres. C'est pas non plus machin, mais du coup, là. Après, donc du coup, ouais, bah du coup, je suis foutu parce que j'ai pas pris de sort de concentration. En fait, comme j'ai oublié, j'aurais dû prendre dans le loot. Ah si, j'ai l'immobilisation. Ah ouais, l'immobilisation. L'immobilisation plus après l'attaque. Ah, c'est le seul truc que j'ai de concentration, quoi. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Très bien, je vais peut-être enlever... Ah, mais où? Ah, mais faut que ça soit sur quelqu'un. Attendez. Mais en fait... Lire les pensées de certaines créatures. Donc du coup, là, je suis concentré là-dessus. Donc grâce à ça, je peux faire mon pouvoir. Ah ouais! Ah, je pensais qu'il fallait le mettre sur quelqu'un. En fait, non, c'est on se donne le buff de détection. Mais c'est... Ah ouais! Ah bah c'est bon alors! Pourquoi il y a un plus? Détection des pensées. C'est quoi la différence? Niveau 1, niveau 2... Ah non, c'est juste que je peux le lancer avec n'importe quel sort au cas où j'ai plus de truc niveau 1. Ça fait pas un truc plus puissant? Ouais, non. Ok. Ok. Et là c'est pareil en fait. Ouais c'est ça, c'est juste qu'on peut le lancer du coup assez pratique. Par contre celui-là, ça augmente les dégâts parce que il y a 5 projectiles quoi. Ok, bah on est pas mal. Bah je pense que maintenant c'est le combat hein. C'est la guerre, c'est la forge. Je pense qu'il faudrait que je fasse un... Ah mais ça. Attendez. Quoi? La cible... Mais ça, c'est pas réanimé. Je comprends pas. C'est bugué ou... Ils ont pas été réanimés, eux. Ils existaient déjà. Espace insuffisant. Ouais, là, je comprends pas. Au pire, ce que je vais faire, c'est que... De toute façon, je vais me reposer. Avant le combat. Ça sert à rien de... Après, si, je pourrais faire un court repos. En vrai, on est pas mal, hein. Une ou deux potions, ouais, en vrai. Parce que magie, j'ai ce qu'il faut. Hein. The pride of the gate.
Mais c'est vrai que j'aimerais bien, bah, limite, faire le combat avec un squelette. Ça ferait quelqu'un... En fait, ça ferait une cible de plus. Bon, j'ai cru que je pouvais pas remonter. Donc, au pire... Bah non, mais j'ai juste à aller là, en fait. Il y a des cadavres ici. Donc ça, c'est retrouver... Ah, mais en fait, la molette... Ah, mais non, mais pas du tout. Là, la forge, elle est là. Là, c'est un autre truc. Mais je pouvais... Mais je pouvais pas atteindre. Parce qu'il y a un téléport, en fait. Donc je peux aller chercher des cadavres à l'entrée. En détente. Et le cadavre de Néré. Ah ouais, je peux prendre le cadavre de Néré. Mais attendez, mais je pouvais descendre. Comment ça? Ah ou de la forge. Ouais, je pense qu'on pourra passer par ici là. Il y a un truc là. Est-ce que ça, ça veut faire des actions? Squelette. Ouais, parce que là, bah, y a rien là. Ouais, bah, je pense que je vais faire ça. On va tranquillement revenir du coup là. Et là, faire un bon repos. Parce que de toute façon, j'ai plein de ressources. Choper les cadavres, comme ça, j'aurai aussi avec Will. On aura deux archers de plus. On aura les petits points de mana. Bon, surtout pour les deux archers en vrai. Et de full vie. Comme ça, faut que j'utilise les ressources. Ouais, il y a plein de cadavres. Ouais, je vais faire ça. Bon petit repos. Je check un peu si j'ai des objets cool. J'ai mal vu ou quoi. Et on va affronter cette grotte. Hein. Ouais. C'est effrayant, mais ça se trouve, je me fais bait. Il y a zéro. Il y a zéro gardien. Mais bon, je vais pas compter là-dessus. C'est bon quand même qu'il y a des trucs que ça soit du vol. Mais bref. Allez, mes amis. Allons nous reposer, on va le faire ici hein, de toute façon.